Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je travaille à Verbier en tant que chef privé et l'été à Ibiza. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un magret de canard rôti avec une croûte au trésor des pâturages, une purée de céleri et des coings confits à la douce de coing de Moran. On va commencer par la purée de céleri. Pour deux personnes, on prend la moitié d'un céleri rave, ça fait à peu près 400 grammes. Hop. Et on va mettre un petit peu de gros sel. Et on va laisser cuire tout doucement. Okay, et ensuite, donc, on va préparer le coing confit. Et donc là, pour la recette, c'est simple. Il nous faut un coing, du sucre, de la douce et de l'eau. On va préparer un sirop avec l'eau, le sucre, la douce. Et on va préparer le coing. On va faire des jolis quartiers. Une fois que le sucre est bien dissous, on va mettre le coing et on va laisser confire tout doucement jusqu'à ce que le coing soit fondant, qu'on puisse planter un couteau dedans. On va un petit peu le dégraisser et enlever quelques nerfs. Là, on va faire des petites rayures sur la peau du canard, sur le gras du canard, pour que le gras nourrisse bien la viande à la cuisson. On va l'assaisonner côté peau, côté chair avec du sel et du poivre. On va le laisser cuire tout doucement côté peau jusqu'à ce que le gras ait bien fondu et qu'il nourrisse la viande. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre croûte. Pour préparer notre croûte, il nous faut du beurre à température ambiante. Donc on va travailler le beurre en pommade. Ensuite, on va ajouter la chapelure et donc un sachet d'infusion trésor des pâturages, donc qui est composé de tisane à la camomille et à la mélisse. Et on va assaisonner notre croûte un peu de sel et de poivre. Le magret, une fois qu'il est bien coloré côté peau, on va le faire cuire un petit peu côté chair. Notre croûte, une fois qu'elle est bien mélangée, on va l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé, donc à l'aide d'un rouleau. On essaye de faire quelque chose d'assez régulier, pas trop épais, pas trop fin, qui ait de la consistance. Et on la réserve au frais. Une fois que notre céleri est prêt, qu'il est cuit et qu'on peut planter un couteau dedans, on va le mixer. Donc on va enlever tout le lait, le mixer avec du beurre, avec 20 g de beurre. Donc voilà notre purée, une fois mixée, assaisonnée. Donc une fois que notre magret est cuit, on va prendre donc la moitié du magret pour une assiette. On va sortir notre croûte du frigo. Et donc là, en gardant le papier, on va tailler un morceau, un carré qui va recouvrir notre magret et qu'on va mettre à griller. Donc voilà, tous nos ingrédients sont prêts. On a la purée, le coing confit et le magret avec la croûte grillée. Et donc on va dresser, on va mettre un petit peu de piment d'Espelette. Et puis quelques pétales de fleurs séchées. Et donc voilà, le magret de canard en croûte de trésor des pâturages, purée de céleri rave et coing confit à la douce de coing. Bon appétit!